C'est un gros attardé, ce prisonnier. Ouais, je vois pas l'importance qu'il a. Pourquoi Révi l'a ramené? En parlant de Révi, tu l'as vu ce matin? Elle est super sexy, cette fille. Oh, mais oui, elle m'a jeté un de ses regards en plus, si tu vois ce que je veux dire. Prends pas tes fantasmes pour des réalités, mec. Ouais, mais j'en rêve, c'est trop intense. Et y'a un mec là-bas. Oh! Qui va là? On n'hésitera pas à ouvrir le feu! Viens, pose pas de questions. Ouais. Monsieur? Quoi? Ouais. Mais qui êtes-vous? Les gardes m'ont piqué d'une minute à l'autre, donc ferme-la et suis-moi. Ok, Mac. Allez, maintenant, suis-moi. Mais vous êtes qui? T'auras plus de réponses une fois arrivé à la base. Ok. J'arrive, vous avez vu Révi? Mais on s'en fout de Révi! Vous êtes sûr que le prisonnier ne peut pas s'échapper? Tu l'as vu, le prisonnier? Tu crois réellement qu'il va pouvoir s'échapper tout seul? Ouais. Voilà, quelqu'un peut venir le chercher! On va essayer de pas attirer les gardes et de partir en toute discrétion. Tu parles? T'as vu tous les gardes qui sont ici? Ouais. C'était quoi ce bruit? Noah. Allez, on se casse d'ici! Non! Et merde! Ils ont buté Kenny! Oh mon dieu! Bande d'enfoirés! Bande de fils à maman! Il est sérieux? Ouais, je crois bien, ouais. Putain! Qu'on est en sortie, je te couvre! Allez, nous, toi! Viens là! Toi! Stop, stop, stop! Arrête-toi là! Lâche ton arme! Lâche ton arme, je te dis, sinon je lui tranche la gorge! Lâche ton arme! Voilà, c'est bien! C'est bien! Maintenant, toi, tu dégages! Tu fais moins le malin là, hein? Noah, viens par là! Allez, allez. Bon, tu te dépêches, Noah. T'es pas blessé au moins? Non, ça va. Bon, on va aller dans un lieu plus sûr. Allez. Installe-toi ici. On sera en sécurité. Mais vous êtes qui? Je suis Jay. Ravi de te rencontrer, Noah. Vous faites partie aussi du Nemesis? Non, je vais t'expliquer tout ça simplement. Le Nemesis est une organisation qui essaye d'avoir la mainmise sur tous les possesseurs de pouvoir afin de se former une puissante armée à son service. Pour ma part, je fais partie des Protecteurs. C'est un groupe formé il y a longtemps par des Enfants de Lumière et qui a pour but d'empêcher le Nemesis d'arriver à ses fins. Les Enfants de Lumière? Je vais t'expliquer. À travers le monde, certaines personnes sont dotées de pouvoirs surnaturels. On les appelle les Enfants de Lumière. Ils arrêtent de vieillir à 16 ans et sont immortels. On ne sait pas quand les premiers sont apparus, mais on retrouve leurs traces dans toute l'histoire de l'humanité. Le déluge, les deux guerres mondiales, les grandes catastrophes naturelles, tous les événements qui ont fait trembler notre planète au cours des siècles sont dus à l'utilisation non contrôlée de pouvoir. C'est pourquoi le Némésis a été créé. Cette organisation a porté de nombreux noms durant les siècles. Exorcistes, exterminateurs, inquisitions. Leur but est d'éliminer ou de contrôler les Enfants de Lumière afin de se former une puissante armée pour dominer la planète. Mais leurs méthodes ont toujours été brutales et sanglantes. C'est pourquoi un groupe s'est formé pour les contrer, les Protecteurs. Depuis ce jour, ces deux antagonistes s'affrontent pour imposer leur vision des choses. La victoire de l'un scellera le sort du monde pour des siècles et des siècles. I think it is the best moment to say Amen. Shut up! Mais alors, tu n'as pas réellement 16 ans? Non, en réalité j'en ai plus de 300. Il y en a encore des bien plus vieux que moi. Mais comment ça se fait que personne ne soit au courant de votre existence? Car ces guerres sont livrées dans l'ombre et que le Némésis ainsi que les Protecteurs veillent à garder le secret. Cependant, un grand nombre de détenteurs de pouvoir ne font toujours pas partie d'une de ces deux institutions. Certains n'utilisent pas leurs capacités et ne sont donc pas une menace. Au contraire, d'autres n'obéissent à aucune loi et risquent de dévoiler notre existence au monde entier. Et moi, je suis un enfant de lumière? Non. D'après nos renseignements, tu as pris conscience de tes facultés après un accident de micro-ondes, n'est-ce pas? Ouais.
Ok. Donc, tes capacités ne sont dues qu'à un phénomène électromagnétique que nos savants sont en train d'étudier. Mais si je ne suis pas un enfant de lumière, pourquoi le Nemesis veut-il m'éliminer? Parce que tu es une menace pour eux. Mais pourquoi? Ils aimeraient comprendre, tout comme nous, de quelle façon tu as reçu tes pouvoirs. Ils effectueraient des expériences horribles pour arriver à leur fin. Grâce à toi, ils pourraient attribuer des pouvoirs immenses à n'importe quel mortel et se former une armée indestructible. Ce serait la fin de notre monde. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Pour l'instant, nous faire confiance. Nous? Oui, nous sommes plusieurs chargés de ta protection. Tu resteras ici et nous t'entraînerons. Et ma famille? On les a mis en lieu sûr. Nos agents leur ont expliqué la situation. Quand? Quand pourrais-je les voir? Pour l'instant, il vaut mieux que tu les laisses. Ce serait mieux pour leur sécurité. Ok. Tu nous excuseras aussi de nous être installés chez toi, mais c'était plus simple pour te protéger. Puis comme ça, tu seras pas dépaysé. Demain, je te présenterai les autres. Repose-toi bien. Action! Oh là, on sera en sécurité. Ah putain. 3, 5, 3, take 2. Vas-y. Moteur. Bastien. Ah. Julien. Tu vois, Julien. Oui, je sais. Mais regarde avec sa gueule de con là. Action! Mais si je suis à vous, mais si je suis pas un enfant de lumière, pourquoi le Nemesis veut-il m'éliminer? Car tu es une menace. Mais pourquoi? Parce que... Ma réponse de merde. Ok. Tournez. Action. Vite, on se barre. Non, on se casse. On bouge. Alors on se casse d'ici. Ouais. Et tournez. Action. Vas-y, cours, ce vert vert. Vert vert. Ah, d'accord. Action. C'est toi qui le fais normalement. Non, mais tu dois dire...